Bonjour, content d'être de retour parmi vous après quelques jours d'interruption de vidéo. Alors évidemment, nous allons parler de la situation dans le Donbass, mais pas seulement. Mais pas seulement. Nous allons parler également de la situation internationale qui m'alarme vraiment beaucoup. Et nous parlerons également du dépeçage de la France, oui, du dépeçage de la France, par des groupes et des individus que je pourrais, oui, que je pourrais qualifier de mafieux. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis à la fin de la vidéo, comme presque tous les samedis, je vous donnerai donc des conseils de lecture, des conseils de visionnage, des conseils sur des films, et puis je vous emmènerai là où j'avais promis de vous emmener, c'est-à-dire au carnaval de Nice. Alors ce samedi, si la prise de Bakhmout n'est pas effective, elle le sera bientôt, je suppose. Les unités de la compagnie militaire privée Wagner ont pratiquement encerclé Bakhmout. Il ne reste qu'une seule route, l'étau se resserre. Si auparavant c'était l'armée professionnelle ukrainienne qui se battait contre nous, aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d'enfants. Donnez-leur la possibilité de quitter la ville. La ville est de fait encerclée. Est-ce que cette fois-ci, on sait que Bakhmout s'est déjà perdu? La ville, de toute façon, est presque encerclée, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'on voit bien que les forces ukrainiennes s'engageaient dans un repli organisé. La menace est encore invisible, mais ne se trouve qu'à quelques kilomètres. Kupiansk, 30 000 habitants avant la guerre, pourrait repasser sous pavillon russe. La ville se situe dans le nord-est de l'Ukraine, dans cette région très disputée, à la limite des territoires contrôlés par Kiev. Ce jeudi, l'administration militaire locale a ordonné l'évacuation des familles avec enfants et des personnes fragiles restées sur place. Car les Russes gagnent du terrain. Pour cette brigade ukrainienne, les repousser est un combat de tous les instants. La reconnaissance vient de repérer un groupe ennemi qui est entré sur notre territoire avec des véhicules blindés et nous travaillons actuellement à le détruire. Kupiansk avait été prise par les Russes dès le début de la guerre, mais les Ukrainiens avaient reconquis la ville en septembre dernier au cours d'une offensive éclair. Aujourd'hui, les Ukrainiens misent sur les chars occidentaux et de nouvelles livraisons d'armes pour repousser les Russes. Avec ces nouveaux chars, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ces chars sont bons, sans aucun doute, mais ils tombent souvent en panne. Avec encore de nouveaux chars, je pense que nous n'aurons pas de tels problèmes. Nous pourrons faire notre travail correctement. Les États-Unis ont annoncé il y a quelques jours une nouvelle livraison d'armes, des blindés lourds. En un an, Washington a fourni l'équivalent de plus de 44 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz était à la Maison-Blanche ce vendredi. Objectif, réaffirmer le soutien de l'Allemagne et des États-Unis à l'Ukraine. Lors de la dernière visite d'Olaf Scholz à Washington, la guerre n'avait pas commencé, mais Moscou amassait des troupes à la frontière ukrainienne. You've driven historic changes at home, and increase in defense spending, and diversifying away from Russian energy sources. Together, we work lockstep to supply critical security assistance to Ukraine, and from everything from what we've done in lockstep: ammunition, artillery, armored tanks, air defense systems. And the transatlantic partnership is really in a very good shape today. And this is very much thanks to your leadership. So I'm really happy to be here. Joe Biden a annoncé une nouvelle aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine, composée essentiellement de munitions, une décision critiquée par Moscou. Merci beaucoup de pouvoir nous accorder un peu de votre temps. Vous savez que vos publications ont été diffusées en Chine et ailleurs dans le monde. Nous souhaitons tout d'abord évoquer l'enquête. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'enquête concernant l'explosion en elle-même? Je vais vous dire ce que l'un de mes amis a dit, un homme avisé du monde des affaires du pétrole en Europe. Lorsqu'il a entendu parler pour la première fois de cette histoire sur Substack,
Mon bon ami Seymour, tu deviens un génie de la déconstruction de l'évidence. Comment pourrait-il en être autrement ? Tout d'abord, ma nation, mon pays, du temps des Kennedy, durant la guerre froide, avait un dégoût et une peur du gaz et du pétrole russe, car ils étaient vendus à l'Allemagne de l'Ouest par la Russie, je veux dire à l'Allemagne et à l'Europe de l'Ouest. Ils ont toujours craint que la Russie n'utilise son gaz naturel comme une arme politique. Tant que l'Allemagne aurait besoin du gaz naturel, le problème serait là. C'est ce qui est arrivé depuis la guerre avec l'Ukraine. Je devrais écrire davantage sur ce sujet, c'est une longue histoire, c'est un élément. L'autre élément, bien sûr, le président lui-même l'a dit publiquement en février lors d'une réunion avec le chancelier allemand Scholz, 2 semaines avant l'actuelle invasion par la Russie. Je pense que l'invasion a eu lieu autour du 24, le 17, le 7 janvier, ou à peu près, pendant la conférence de presse avec le chancelier Scholz. Il a dit « Je veux que vous sachiez une chose, s'il commence cette guerre, Nord Stream 2, le nouveau gazoduc qui a été sous le coup de sanctions par l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui contrôle son ouverture ou non, il a dit « ça ne durera pas ». Et on lui a demandé « Comment le savez-vous » Il a répondu « Je vous dis que je sais comment le faire ». À ce moment-là, comme je l'ai écrit dans l'article dont vous parlez, en secret, mon gouvernement organisait une réunion avant Noël, peut-être 6 ou 7 semaines avant, en 2021. À cette époque, il était clair que les Russes organisaient des mouvements de troupes vers le Bélarus, où ils se préparaient à la guerre. Je pense que la Maison-Blanche a convoqué une réunion des services secrets et de l'armée, entre autres. Ils voulaient des alternatives. Je pense, comme je l'ai entendu, que les personnes impliquées cherchaient des moyens de convaincre Vladimir Poutine d'arrêter. La question qui a été posée à ce groupe de taille réduite, la question de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, le président, était, et les mots sont importants, « Souhaitez-vous quelque chose d'irréversible ou de réversible ?» Quelque chose de réversible pourrait être des sanctions, comme expulser certaines personnes, les mettre sur une liste ou quelque chose de ce genre. Irréversible serait quelque chose de cinétique, quelque chose qui pourrait faire « bang ». Finalement, il est apparu que ce qu'il recherchait était peut-être un moyen de faire exploser les 2 gazoducs. Du côté russe, je pense qu'on a une extrême rationalité. Les décisions militaires qui ont été prises, les décisions politiques qui ont été prises, les discours aussi, la manière, le dernier discours d'ailleurs de Vladimir Poutine, etc. On peut être d'accord ou pas avec sa politique, mais c'est rationnel, c'est construit, il y a une logique et... Ça tend à me faire penser qu'on est plutôt dans un acteur qui va agir en fonction des faits et de la situation. Du côté occidental, et particulièrement les Européens, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine de l'émotionnel pur, sans lien avec la réalité, quitte à ce qu'on se tire des balles dans le pied, non pas par esprit de sacrifice, mais parce qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qu'on faisait. C'est la chose qui me perturbe. On pourrait dire, le sort des Ukrainiens est important pour nous, donc on va supporter les mêmes choses qu'eux, et ma foi, tant pis si ça nous coûte. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Les chars qu'on envoie, c'est les vieux chars. La munition qu'on envoie, c'est la vieille munition. Je vous ai épargné, mais j'ai des quantités de photos, mais vous savez, les militaires ukrainiens, quand ils ont ouvert les missiles, les boîtes de missiles britanniques qui ont été envoyées, ils ont vu que c'était des missiles dont la date de péremption était dépassée. Donc c'est des matériels qu'on allait jeter. Et quand on leur donne pas... Évidemment, bien entendu, parce que nous, on veut préserver une capacité de défense. Donc, on ne va pas leur donner ce dont nous, on a besoin. Donc, on n'est pas sincère avec eux, en réalité. Ça, c'est aussi quelque chose. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, ce n'est pas le problème. On n'est pas sincère avec les Ukrainiens. Et d'ailleurs, c'est ce que Volodymyr Zelensky a dit dans cette interview du CNN que j'ai présentée au tout début de mon exposé, où il disait « En fait, on nous a promis d'entrer dans l'OTAN, mais en fait, ça ne se fera pas. » Et le truc, c'est qu'on leur a dit « Allez-y, provoquez les Russes, vous allez voir, on va leur appliquer tellement de sanctions qu'en 3 jours, le problème va être réglé. » Exactement ce que disait Bruno Le Maire. Et puis en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'on a mal calculé, parce qu'on a mal évalué l'adversaire, parce qu'on a considéré, vous savez, moi je viens du renseignement, la pire faute que vous puissiez faire dans un conflit, quel qu'il soit, que ce soit un conflit personnel, conflit militaire,
c'est de sous-évaluer votre adversaire, de penser qu'il est moins bon que vous. C'est la pire faute que vous puissiez faire. Or, c'est exactement ce que nous ont dit les médias. Ils ont dit, non, vous inquiétez pas, les Russes ont déjà perdu, ils sont mauvais, ils sont bêtes, ils sont malades, ils ont le cancer, ils ont Parkinson, ils ont ceci. Résultat des courses, on a... Les Ukrainiens avaient toutes les raisons de se dire, bon, allons-y, hardi petit, ça va durer, c'est un mauvais moment à passer, mais après, il n'y aura plus de Russie, on n'aura plus de problème, et puis on sera dans l'OTAN. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc on n'a pas du tout été honnête, et je pense que, et c'est la raison pour laquelle je m'investis soit par mes livres et en étant parmi vous aujourd'hui, parce que je pense que nous ne sommes pas honnêtes avec les Ukrainiens. Et nos médias ont un comportement criminel parce qu'ils ont sans cesse tout fait pour conduire à sous-évaluer l'adversaire et à penser artificiellement qu'on allait gagner. Les pays de l'OTAN sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Mais en même temps, il s'agit d'une perspective de long terme. La priorité actuelle est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation indépendante et souveraine. Et pour cela, nous devons soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Parce que c'est quand même un serpent de mer, là, maintenant, depuis quelques mois. Ça pose la question de savoir ce que veulent les États-Unis. Stoltenberg, là-dedans, c'est... Que veulent les États-Unis sur cette affaire ? Et les États-Unis, on ne sait plus. En fait, je crois que plus personne n'y comprend rien. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, contrairement à ce qu'on nous dit dans les grands médias, a marqué le pas et même est au bord de l'effondrement. Voilà, il y a les combats qu'il y a autour de la ville de Bakhmout que vous connaissez sont quand même extrêmement intenses. Et les mercenaires de Wagner sont en train, semble-t-il, de grignoter et de remporter la partie. Il y a eu énormément de pertes de soldats ukrainiens, énormément aussi d'émigration. Il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui. Une partie a fui vers les pays de l'Union européenne ou ailleurs. Mais une partie non négligeable a fui aussi vers la Russie. C'est d'ailleurs les 35%. La première catégorie, la première destination pour les Ukrainiens, c'est quand même la Russie. Et ce n'est pas des déportations. Ce sont simplement les Ukrainiens des zones russophones et russophiles qui sont allés en Russie se protéger. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup vidé. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc ils en sont là. Et puis un deuxième truc qui attire l'attention, c'est cette demande permanente d'armes miracles. Ça fait penser, là aussi, c'était Die Wunderwaffen, hein, les armes miracles qui allaient sauver le Troisième Reich. Début 45, ils attendaient les fusées V1, V2, comme si ça allait retourner la situation. Donc en fait, maintenant, ce qui est à craindre, c'est que Zelensky commence à comprendre que l'affaire est perdue et donc il veut mondialiser le conflit. D'où ces attaques de drones sur la Russie. Sur la Russie. Et d'où la déclaration qu'il a faite très récemment, où il a expliqué que si jamais la Russie gagnait, elle ne se contenterait pas des républiques qu'elle a assimilées suite aux référendums qui ont eu lieu. On peut discuter des référendums. Mais enfin, juridiquement, la Russie considère maintenant que ce sont ses territoires. Et donc Zelensky considère qu'ensuite, la Russie va mettre main basse sur l'Ukraine, va ensuite s'attaquer au reste. Et donc en fait, il l'a dit, même si ça gêne un certain nombre de gens, ce sont les enfants américains qui devront aller se battre, a-t-il dit, les fils et les filles des Américains qui iront se faire tuer. On va confirmer vos propos avec la vidéo, justement. Ah. Who wants a third world war? Would anyone risk? Qui veut la Troisième Guerre mondiale? Quelqu'un accepterait-il de prendre ce risque? Les États-Unis n'abandonneront jamais les États membres de l'OTAN si cela se produit de telle sorte que l'Ukraine perd en raison d'opinions divergentes et d'un déclin de l'aide qu'elle reçoit. La Russie va envahir les pays baltes membres de l'OTAN et à ce moment-là, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre et ils devront se battre. Exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Il est aux abois.
Si vous voulez, si vous étiez à sa place, vous feriez quoi? Vous voyez bien que les armes que lui promettent l'Occident, elles arrivent au compte-gouttes pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'on n'en a pas tant que ça. Les munitions, on n'en a pas. Personne n'a de munitions. C'est d'ailleurs assez cocasse que les mêmes, la propagande américaine et euro-atlantiste qui expliquaient que les Russes, c'était la catastrophe, ils n'avaient rien du tout. En réalité, c'est l'OTAN qui n'a plus de munitions. Donc en fait, Zelensky voit bien que ça arrive au compte-gouttes, que ça marche pas et qu'il est quand même submergé. Je pense que chez les Américains, il y a une autre dynamique qui s'est mise en place. D'abord, parce que après les parlementaires ou les élections du Congrès à la fin de l'année passée, on a les Républicains qui sont venus. Alors moi, je pense pas que les Républicains soient meilleurs que ils détestent les Russes autant les uns que les autres. Mais il y a une petite différence, parce que les parlementaires républicains veulent, mettre les bâtons dans les roues de Biden. Le jeu politicien pourrait amener une réflexion, puis se dire, bon, comme les républicains, par exemple, ont demandé qu'il y ait une vérification des dépenses et des matériels qu'on envoie en Ukraine, parce que en réalité, les Américains envoyaient pour des milliards de dollars de matériel, et ils ne savent pas ce qui s'est passé avec ce matériel. Ils savent même pas s'il est en Ukraine. Donc on pourrait il se pourrait que cette rationalité amène une fin plus rapide du conflit. Mais je ne peux qu'élaborer des théories, parce que moi-même, je suis sidéré par ce manque de déontologie, déjà, des médias. Ça commence par là, tout simplement. Les médias ne respectent pas la fameuse charte de Munich qui impose qu'on compare les sources, qu'on prenne plusieurs sources pour donner une information, qu'on essaye d'équilibrer les choses. Je me suis récemment fait interpeller à Bruxelles par un Ukrainien. Il y a effectivement... Les Ukrainiens savent qu'on fait du recrutement forcé, etc. Les Hongrois savent, et d'ailleurs le gouvernement hongrois, ces dernières semaines, a déposé plainte, a demandé d'arrêter de faire des recrutements forcés des minorités. Donc cet écart qu'il y a entre l'information qu'il y a ici et l'information qu'ils reçoivent par des canaux informels, ils la ressentent aussi. Donc, je vous disais qu'on se moquait des Ukrainiens, mais on s'en moque dans toutes les largeurs. Donc, il y a un besoin de tous les côtés de savoir ce qu'elle a. Et c'est pour ça que je pense, je répète ce que j'ai dit, je pense que nos médias ont un rôle criminel. La Chine accuse les États-Unis de créer des tensions dans le détroit de Taïwan et les exhorte à mettre un terme à leur vente d'armes à Taïwan. Cette déclaration est une réponse à la récente approbation par le département d'État américain des ventes d'armes à Taïwan. Un porte-parole du ministère chinois de la Défense a souligné que l'armée chinoise était résolument déterminée à sauvegarder la souveraineté et les intérêts de la sécurité de la nation. Qui sera le premier à remettre le pied sur la Lune? La course est lancée et dans cette course, la Chine conserve une longueur d'avance sur les États-Unis. À Pékin a déjà un calendrier précis, ce sera en 2029. 60 ans après la mission Apollo, deux taïkonautes se poseront donc sur la Lune. La date n'a pas été choisie au hasard. Sébastien Le Belzic. 2029, ce sera le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire. Et comme en Chine on aime les symboles, ce sera donc l'année où deux taïkonautes, nom donné aux astronautes chinois, marcheront sur la Lune. Promesse faite très officiellement par l'agence spatiale chinoise, Zhou Qiming est l'un des responsables de la mission. Nous avons fait de grandes avancées technologiques pour cette fusée porteuse de nouvelle génération, le vaisseau spatial habité et le robot lunaire. Un plan de mise en œuvre pour l'arrivée de la Chine sur la Lune a pris forme. Et ce n'est que la première étape d'un ambitieux voyage. La Chine poursuit en même temps le développement de sa station de recherche lunaire, dont le premier module pourrait être mis en service en 2028. C'est à partir de ce complexe automatique que la Chine prévoit de construire une base lunaire habitée, une colonie développée en partenariat avec la Russie. Pékin, Sébastien Le Belzic. Censé être le candidat de l'opposition qui défierait Recep Tayyip Erdogan lors de la prochaine élection présidentielle. Kemal Kılıçdaroğlu vient pourtant d'être désavoué par le Bon Parti, l'une des formations de la coalition d'opposition. Au stade actuel, le Bon Parti a été mis dans un étau, contraint à une imposition.
forcé de faire un choix entre la mort et la malaria, tout comme on le fait à la nation turque depuis des années. Et bien sûr, nous ne plierons pas. Meral Akşener, nationaliste et fondatrice de sa propre mouvance politique, soutient ouvertement deux autres candidats. En tant que bon parti, nous avons exprimé notre opinion sur la candidature de deux personnes dont nous avons fréquemment entendu les noms dans les rues, les magasins et les places publiques depuis plus de 3 ans. Ce sont ceux qui sont favoris et que nous avons vus dans tous les sondages publics gagner de loin contre M. Erdogan. Ces deux noms, ce sont Mansour Yavaş, le maire d'Ankara, et Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, pourtant condamné à une peine d'inéligibilité. Cette implosion survient à 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle le président sortant se représentera. Il y a quelques jours, Recep Tayyip Erdogan a confirmé la tenue du double scrutin présidentiel et législatif. Les divisions au sein de l'opposition devraient servir ses intérêts au moment où sa cote de popularité n'a pourtant jamais été aussi faible. Sur fond de crise économique et de colère liée à sa gestion du tremblement de terre. Télévision américaine dimanche soir, le patron des services de renseignement d'ordinaire, peu bavard, a beaucoup de choses à dire. La CIA s'inquiète notamment d'un partenariat sur les armes entre Moscou et Téhéran et tient à le faire savoir. Nous voyons des signes montrant que la Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et considère la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Iran. Cela représente un risque majeur, non seulement pour les Ukrainiens, et nous avons déjà vu ce que cela voulait dire, mais le risque est désormais élargi à nos partenaires du Moyen-Orient. Donc ce sont des développements perturbants. Quelques jours plus tard, toujours à la télévision américaine, le ministre des Affaires étrangères iranien dément tout partenariat militaire avec la Russie. Au début de la guerre, nous avons essayé d'arrêter la guerre pour que les deux camps choisissent le dialogue politique. C'est la même règle de conduite que nous avons adoptée au Yémen, en Afghanistan et différents autres pays en crise. Sur les accusations qui ont été faites contre l'Iran et sa livraison d'armes à la Russie, c'est faux. Nous avons eu des coopérations de défense avec la Russie par le passé et nous continuons. Mais nous n'avons jamais fourni des armes qui ont été utilisées en Ukraine. Tandis que les Américains et les Iraniens dialoguent par écran interposé, d'autres renseignements inquiétants viennent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% auraient été détectées dans l'usine de Fordo en Iran. Approchant le seuil de fabrication d'une bombe atomique, Téhéran dément. L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période. Mais devant le Congrès, un haut responsable de la défense américaine va plus loin et annonce même un compte à rebours pour la bombe atomique iranienne. Quand l'administration précédente a décidé de quitter l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran aurait pu produire une bombe avec des matériels fissiles en 12 mois. Aujourd'hui, cela se compte en jours, 12 jours. Il faut, je crois, toujours espérer résoudre cette crise de façon diplomatique plutôt que d'une autre manière, mais aujourd'hui, l'accord est gelé. Des tensions diplomatiques, alors que les négociations sont au point mort. Les accords de Vienne, conclus en 2015, offraient à l'Iran un allègement des sanctions internationales, en échange de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique. Mais en 2018, Donald Trump décide de quitter l'accord. Depuis, aucun des efforts de discussion n'a abouti. L'accord sur le nucléaire iranien n'est plus d'actualité. Pendant des mois, nous avons tout fait pour le ressusciter. Il y avait une proposition menée par l'Union européenne il y a quelques mois, soutenue par tous, même la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Mais l'Iran n'en a pas voulu. En décembre dernier, sur les réseaux sociaux, une vidéo montre le président Biden interpellé sur l'accord nucléaire qu'il s'était engagé quelques mois plus tôt à ressusciter. Président Biden, pouvez-vous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort ? Non. Non, pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. C'est mort, mais nous ne l'annoncerons pas.
Que reste-t-il de l'accord conclu en 2015 aujourd'hui? Alors que le chef de l'AIEA arrive en Iran ce soir, entre Téhéran et la communauté internationale, les relations sont tendues jour après jour. L'Occident condamne la répression dans le sang de la jeunesse iranienne. Alors que régulièrement des peines de prison sont prononcées contre des étrangers accusés d'espionnage en Iran. C'est le cas notamment du Français Benjamin Brière, acquitté mi-février mais pas encore libéré, considéré avec au moins 6 autres Français comme des otages d'État par le Quai d'Orsay. L'Angola et une escale à Brazzaville tout à l'heure. Emmanuel Macron sera ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là-bas, la tension monte avant son arrivée. Il y a eu encore hier, jeudi, des manifestations contre sa venue. Beaucoup d'acteurs de la société civile reprochent à la France de soutenir le Rwanda aux dépens de leur pays. À Kinshasa, les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Une dizaine de jeunes est descendue dans les rues de Goma. Macron assassin, Macron dégage. Voilà les slogans que l'on pouvait entendre. Un drapeau français a aussi été brûlé par les manifestants. Alors cette manifestation à Goma, dans l'est du pays, rappelle celle qui s'est tenue hier à Kinshasa. Des dizaines de jeunes ont tagué l'ambassade de France. Des drapeaux russes étaient également brandis par les manifestants. Alors à l'origine de cette colère, la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Le président en français est attendu samedi dans la capitale congolaise et il n'est pas le bienvenu pour ces acteurs de la société civile. La France, c'est un pays qui soutient le Rwanda. Or, le Rwanda nous agresse. Et nous autres, nous nous disons, pour montrer aux Français que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique hypocrite et leur soutien qu'ils apportent au Rwanda, nous brûlons leur drapeau. Nous avons marre de ce qu'ils font à notre territoire. Vraiment, nous souffrons et nous sommes catégoriques. Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons plus voir le président de la France sur notre territoire. La France, comme d'autres pays européens, a condamné le soutien rwandais aux rebelles du M23. Emmanuel Macron avait rappelé lundi dans son discours que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne se discutent pas. Le parti présidentiel, l'UDPS, a appelé ses militants à réserver, je cite, un accueil chaleureux à Emmanuel Macron. Mais le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a précisé que l'opinion congolaise attend tout de même un engagement clair de la France, ajoutant, je cite, qu'il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. En clair, Kinshasa attend des sanctions contre le Rwanda. Dans l'est du pays, le M23 continue de s'emparer de localités autour de Goma. Un plan de retrait avait pourtant été annoncé par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Un retrait des rebelles du M23 qui aurait dû commencer le 28 février. Les habitants d'Abidjan, Côte d'Ivoire, réagissent à l'annonce du président français Emmanuel Macron, selon laquelle le gouvernement de l'Hexagone va réduire ses troupes présentes sur le continent africain. Le chef de l'État français s'exprimait avant une tournée de 4 pays en Afrique australe. La réduction des effectifs de l'armée française en Afrique, je crois que c'est une bonne chose, c'est mieux, ça vaut mieux. Ça vaut mieux parce que c'est des pays, nous sommes indépendants. Un pays indépendant déjà n'a pas trop besoin d'une autre armée. S'il y a quelque chose à faire, peut-être que les former et les laisser eux-mêmes se défendre leur territoire. Réduire l'effectif, on doit même les enlever, pas réduire nos capacités. Paris s'est brouillé avec les nouvelles autorités militaires du Mali et du Burkina Faso, retirant ses troupes des deux anciennes colonies françaises, après avoir aidé pendant des années les autorités locales à combattre les djihadistes. La réduction des effectifs des troupes françaises en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, est une initiative, je peux dire, positive, parce qu'elle permettra à ces pays d'être autonomes sur le plan militaire, et sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Créées en 2015, les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, ont été implantées afin d'assurer un relais opérationnel sur une zone d'intérêt stratégique pour la France. Mon avis est que c'est pas trop bon s'ils vont. Parce que bon, en Côte d'Ivoire ici, les amis qu'on a, surtout les FFCI, et ils nous connaissent, en tout cas, ils n'ont pas eu de bonne formation pour tout le monde dans le pays. L'armée française, au moins qu'ils sont là, ils peuvent défendre, ils peuvent apprendre
les FSI à pouvoir bien se défendre. En visite à Abidjan la semaine dernière, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a noté les efforts accomplis par l'appareil de sécurité ivoirien. Une réduction à venir des 950 militaires des FSI a été évoquée. Il y a une première question moi, qui me travaille un petit peu, qui m'interpelle. C'est en définitive, c'est cette mutation auquel nous sommes en train d'assister actuellement à travers toute une série de coups d'État, un peu partout, hein, il faut bien le dire, et qu'on ne comprend pas toujours. En tout cas, les interprétations qui sont faites en France correspondent rarement à ce qu'est la réalité du terrain. Évidemment, il ne faut pas s'étonner. Les coups d'État, ils ont été quand même provoqués par des situations aussi peut-être dans laquelle la jeunesse n'est pas étrangère à ces constats de carence, d'attente, de développement, d'emploi, etc., et qui fait que on a pu pousser les gouvernances en place à les secouer un petit peu et à provoquer peut-être cet appel à l'armée pour provoquer des coups d'État. Puisque les coups d'État ont été fomentés, non pas par des oppositions, a priori, politiques, mais plutôt par des armées qui se sont révoltées contre le pouvoir en place. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Parce que l'armée, dans les différents pays, on peut citer la Guinée, on peut citer le Tchad, ces pays sont entre les mains d'une armée qui n'est pas efficace pour s'occuper de ce à quoi elle doit s'occuper, c'est-à-dire la sécurité du pays de manière interne. Et alors, on veut lui donner une position qui est une position de changement, qui finalement n'est peut-être pas forcément adaptée à la situation, parce que on arrive à faire une sorte de présidentialisation de l'armée, c'est-à-dire que le président ne s'appuie que sur une chose, c'est l'armée, faute de s'appuyer sur des tendances politiques avec lesquelles il pourrait éventuellement discuter pour faire évoluer les choses. Et après, une fois que ce coup d'État est fait, parce que je me souviens encore, le coup d'État de Guinée, le dernier coup d'État de Guinée, il y en a quand même eu deux, c'était la joie dans la ville. À Conakry, les gens sautaient de joie, et les jeunes aussi. Puis finalement, quand on s'aperçoit que la junte militaire n'a pas du tout l'impression, parce que la solution au coup d'État, on a l'impression que finalement, les organismes régionaux, comme la CDAO, pour ce qui concerne l'Ouest, c'est de dire, bon, mais il faut aller aux élections. OK pour le coup d'État, mais ça n'a pas duré. Oui, finalement, oui, c'est ce qui est prévu. Et en fait, on n'y arrive pas forcément. Et là, on se prend les pieds dans le tapis en ayant des solutions. Vous le voyez au Tchad, vous le voyez au Mali, vous le voyez en Guinée, là encore, où c'est une situation de junte militaire qui n'en finit plus. Et là, les gens en reviennent. Et à partir de là, ça provoque une nouvelle révolte éventuellement des populations. Donc la jeunesse n'est pas du tout rassurée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car ça demande finalement d'agitation un peu des choses convenues. On arrive à une situation qui est pire, peut-être, parce qu'on n'arrive à rien de plus. Voilà. Donc on ne peut pas évidemment valoriser, disons, ou se réjouir que dans tel pays, tiens, il y a eu un coup d'État, donc enfin ça va changer. Ben non, pas forcément. L'Algérienne vient d'annoncer que le pays suspendait la délivrance de laissez-passer consulaires à la France, Charlotte Dornelas, rendant donc impossible tout retour de ressortissants algériens clandestins visés par une OQTF. Alors nous pensions que tout allait mieux et j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé réellement, parce que... des chuchotements, des bruits de couloir, mais on n'a rien de vraiment... On ne comprend pas, en fait. C'est ça. Alors, sur cette histoire de laissez-passer consulaire, bon, maintenant, tout le monde a compris ce qu'était un laissez-passer consulaire. C'est le fameux sésame que nous donnent les consulats des pays d'origine quand nous voulons éloigner quelqu'un. Et il se trouve que plusieurs médias algériens ont en effet annoncé que l'Algérie suspendait ça. Alors, il n'y a pas eu de confirmation officielle ni du côté algérien ni du côté français pour l'instant. Mais plusieurs médias s'en sont fait l'écho et ce qu'il y a de absolument certain, c'est que le torchon brûle, pour reprendre l'expression. Alors bon, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus de torchon à force de brûler, à mon avis. Mais ça ne va pas du tout entre la France et l'Algérie. Et en effet, nous avions l'impression que l'idylle avait repris, donc on ne comprend plus rien. Bon, alors cette fois-ci, le prétexte trouvé par les autorités algériennes s'appelle Amira Bouraoui. Alors, on n'en a pas beaucoup entendu parler en France, mais alors en Algérie, ça fait les choux gras de la presse depuis 3 semaines. Alors, cette femme, c'est une militante, elle est gynécologue initialement, militante et journaliste dans le pays, et elle est figure, on va dire, de l'opposition, notamment à Bouteflika, à l'époque, quand il avait fait son AVC, qu'il briguait un troisième puis un quatrième mandat. Elle s'était fait connaître à ce moment-là, et elle a été grande figure du mouvement du Irak, vous savez, ce mouvement il y a quelques années, qui avait conduit à la destitution, à la démission de Bouteflika, remplacée depuis par le président Tebboune. Elle avait été très médiatisée à ce moment-là, et il se trouve que cette femme a été exfiltrée vers la France le 6 février dernier. Et 2 jours plus tard, le président algérien
ordonnait le rappel de l'ambassadeur d'Algérie, avec effet immédiat, disait-il, à la suite de ce qu'il qualifiait d'exfiltration clandestine et illégale, donc le rapatriement de cette femme en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Elle a découvert, cette femme, qu'elle était interdite de sortie du territoire algérien en 2021, puis en 2022, et son fils habite à Paris. Donc, elle voulait venir voir son fils et elle n'avait pas le droit de quitter le territoire. Donc, elle a décidé de passer clandestinement en Tunisie pour pouvoir rejoindre la France pour venir voir son fils. Elle a passé clandestinement la frontière tunisienne. Elle a été interpellée par la police tunisienne avant de prendre l'avion. Elle a été, donc ça, tout ça a été début février. Elle a été remise en liberté par la justice tunisienne qui a dit on la remet en liberté en attendant l'audience du 23 février pour savoir si oui ou non elle est expulsée vers l'Algérie. Et entre les deux, la police n'a pas respecté, on va dire, la remise en liberté de cette femme et l'a embarquée. Et donc là est apparu en effet le consulat français qui a sorti cette femme des griffes, on va dire, de la police tunisienne pour la rapatrier en France, tout simplement parce qu'elle est pas seulement algérienne, cette femme, elle est franco-algérienne. Donc le consulat est intervenu pour rapatrier cette femme. Alors Alger a immédiatement réagi en dénonçant une atteinte à sa souveraineté puisqu'elle n'avait pas le droit de sortir du territoire, a rappelé son ambassadeur et la presse annonce là aujourd'hui, donc trois semaines plus tard, une éventuelle suspension des laissez-passer consulaires. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce 6 février en Algérie, la tension ne baisse pas du tout et la France, qui est devenue la matrice de toute la gestion politique de l'Algérie depuis la fin de Bouteflika, on va dire. Déjà, sous Bouteflika, on n'avait pas très bonne presse. Mais alors là, depuis, c'est-à-dire que tout est en fonction de la France dans le discours algérien. Vous voulez nous parler de diplomatie et revenir sur ce que vous considérez comme une humiliation pour la France par le Maroc. De quoi s'agit-il précisément ? Non, je crains le pire, Patrick, parce qu'un journaliste qui l'interrogeait sur la détérioration de nos relations avec le Maroc, le président Macron a répondu de manière, pour le coup, très diplomatique. Oh, vous savez, nos relations sont très amicales. Mmh. Aussitôt, le gouvernement marocain a fait savoir, et là de manière très peu diplomatique, que les relations entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, mais aussi entre la France et le Maroc, n'étaient, je cite, « ni bonnes, ni amicales ». Alors je pense que c'est une véritable humiliation, parce qu'entre gouvernements, Patrick, on ne se parle jamais de manière aussi cash. Là, il n'y a vraiment plus de respect. Et je pense que cette déclaration marocaine est très caractéristique d'un effondrement de notre crédit international. Présidée par Emmanuel Macron, la France, puissance dotée de l'arme nucléaire, est vraiment en passe de devenir un paillasson diplomatique. De son côté, à cause du rapatriement d'une franco-algérienne, le gouvernement d'Alger a rappelé son ambassadeur à Paris. Le Burkina Faso avait déjà rappelé son ambassadeur à Paris. Le Mali avait expulsé notre ambassadeur dans son pays. En 2020, la France, c'est nous qui avions rappelé notre ambassadeur en Turquie. Il est vrai, après qu'Erdogan se soit interrogé sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Plus de respect non plus. Mais avec nos alliés, c'est pas mieux. Sous Macron, la France a rappelé son ambassadeur à Washington, à Canberra et même à Rome. Oui. Et quelle conclusion on peut en tirer alors ? Je crains qu'on se fâche avec tout le monde. Les pays africains francophones, il y a une tournée en ce moment avec lesquels on entretenait une coopération intense, la zone CFA, diplomatique, l'ONU, la francophonie, militaire, les accords de défense. Et de l'aveu même d'Emmanuel Macron, la France-Afrique, c'est fini. Alors en Afrique du Nord, c'est pas mieux. On a réussi l'exploit de nous fâcher avec l'Algérie et en même temps avec son rival marocain. Même exploit avec la Russie et en même temps avec son ennemi ukrainien. Nous ne parlons plus à Vladimir Poutine, tandis que le président Zelensky espère que cette fois, perfide, Macron a vraiment changé. Même exploit avec Trump et avec son rival Biden, que le président français a caressé dans le sens du poil, le président démocrate, avant de découvrir qu'il nous avait planté dans l'affaire des sous-marins. Nos relations avec le monde anglo-saxon sont tellement dégradées que la première ministre Liz Truss britannique n'avait même pas su dire si la France était un ennemi ou un ami. Plus spectaculaire encore, Patrick, en octobre dernier, le président Macron a même annulé le conseil des ministres franco-allemands. Paris ne fait même plus semblant de jouer le petit couple avec Berlin. Vous savez, c'était vraiment le cœur du réacteur, ce couple franco-allemand. On s'est vraiment, vraiment brouillé avec tout le monde. Oui, bon, en conclusion, est-ce que vous pensez que la personnalité d'Emmanuel Macron joue un rôle dans cette forme de perte de crédit de la France, quoi. Ah, je le crains en grande partie. Et c'est le président Zelensky qui a compris à qui il avait affaire. Le président ukrainien a forgé ce néologisme macroné pour avoir décrire cette attitude qui consiste à dire une chose, à faire son contraire, à dire une chose un jour pour dire le contraire le lendemain. Et le président Macron a montré d'innombrables signes de ça. Par exemple, il expliquait que l'OTAN était en mort cérébrale avant aujourd'hui de se comporter en parfait petit soldat de l'OTAN. Il y a une autre explication. Vous savez, Patrick, en général, les gens qui sont cassants et brutaux, ils ne sont pas que des
des amis, mais en général, ils se font respecter. Mmh. Emmanuel Macron, lui, a comme caractéristique d'être à la fois hautain et désinvolte parfois avec ses interlocuteurs, et en même temps de leur inspirer aucun respect, aucune crainte. Souvenez-vous de cette scène absolument surréaliste au début de son premier mandat au Burkina Faso. Il se moquait de son homologue, pourtant son aîné en Afrique, mmh. ça compte, en lui expliquant qu'il allait réparer la clim. Alors rien d'étonnant ensuite, à ce que ni au Burkina Faso, ni ailleurs en Afrique, ni nulle part, on est vraiment beaucoup de respect pour la France. Le président Macron est tellement, finalement, est tellement content de lui qu'il ne se rend même pas compte toujours qu'il s'humilie parfois tout seul. Contrairement à tous les usages, il avait autorisé qu'on filme ses échanges téléphoniques avec Vladimir Poutine. Mais pendant cet échange, on peut entendre le président russe dire « Écoute, Emmanuel, je vais raccrocher parce que là, j'ai sport ». Il y a aussi cette scène absolument surréaliste. On voit le successeur de Charles de Gaulle courir comme un chihuahua derrière Joe Biden et le conseil du président américain lui dire bah, « Écoutez, il faudrait mieux qu'on rentre parler plus au calme ». En fait, on ne s'appuie que sur ce qui résiste et on ne respecte que sur ce qui se respecte soi-même. Oui, merci Guillaume Bigot. Est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. Monsieur Cron a touché, je crois, 13. Monsieur Lafont, 15. Monsieur Combes, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Déloyauté, mensonge, vous parlez de corruption, moi j'appelle ça la cupidité, mais surtout, il a privilégié, M. Cron, son sort personnel à la France. Et il a même fait du chantage sur le gouvernement, puisqu'il m'a menacé, si je n'acceptais pas l'accord de vente d'Alstom, de faire un plan social de 5000 personnes. Je lui ai dit, vous croyez que je vais répondre autrement que par la force à la violence que vous exercez sur le gouvernement ? Intelligence économique défaillante, dirigeant incompétent dans la loyauté patriotique à son pays, alors que le carnet de commandes a été fait par la France et par les contribuables. Manœuvre pour conclure un accord dans le dos du gouvernement, et il était ficelé avec M. Bouygues lorsque le gouvernement a reçu la dépêche à 6h du matin de Bloomberg, où j'ai fait convoquer M. Cron, qui était encore dans son jet au-dessus de l'Atlantique. Je l'ai fait cueillir à froid par les gendarmes au Bourget pour qu'il rapplique dépeigné dans mon bureau pour lui passer le savon de sa vie. En lui disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je raconte cette histoire parce qu'il faut que ça soit raconté. Parce que ça ne peut pas se reproduire. En 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Pechiney, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur... la souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, c'est, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Et donc, j'ai donc déclaré à l'Assemblée nationale dans des questions d'actualité, certains s'en souviennent peut-être encore, je ne suis pas chargé de placer des détecteurs de mensonges dans mon bureau lorsque je reçois des patrons du CAC 40. Ces trois coentreprises, plus la nationalisation d'Alstom, nous auraient permis, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de conserver l'outil industriel en alliance avec les Américains. La nationalisation, après mon départ, je suis parti un mois après et demi, la nationalisation n'a jamais eu lieu. Les trois coentreprises, on les a vendues, nos parts. Le Golden Share, le conseil d'administration ou le directeur d'administration centrale, qui est le directeur général d'entreprise, devait siéger pour défendre le nucléaire, il n'a jamais siégé. On ne l'a jamais envoyé. Vous interrogerez mon successeur, pourquoi ? Nous aurions pu garder ça. Que moi, je suis arrivé à l'Élysée en disant « Je suis contre cette acquisition par General Electric. Nous avons les moyens de la bloquer. Et je propose que nous poursuivions. » Donc on bloque, on dit non, et on ouvre le débat avec les Allemands, sans être sûr que ça marche. Il ne faut jamais se lier les mains. Mais on travaille avec les Allemands et les Japonais. J'ai été... désavoué par le président de la République, et dit non, on va faire l'accord avec les Américains. C'est exactement la même chose. L'État actionnaire, il a une politique énergétique, une politique de transition énergétique, une politique de tarification énergétique, une politique de dividendes,
une politique financière. Et tout ça, c'est contradictoire. Donc vous avez des conflits permanents. Donc plus vous avez d'acteurs, plus ces conflits se manifestent. Et donc plus, finalement, il n'y a pas de politique. Vous voyez bien que l'État est en contradiction. Je veux des dividendes. Donc je veux augmenter les prix. Mais le même ministre de l'énergie dit le contraire. Je veux pas que les prix soient trop élevés, parce que sinon, je vais me faire engueuler aux prochaines élections. Bon. Bah, c'est un actionnaire. Alors il veut des dividendes. Mais il veut des dividendes. S'il se comporte comme un actionnaire prédateur, c'est pas bon. Et en même temps, s'il investit, c'est pourquoi ? Donc si vous voulez, quand vous êtes État actionnaire de la Française des Jeux, bah, vous y allez. Il faut faire les fins de mois, on a besoin d'argent. Mais quand c'est EDF, c'est plus problématique. Quand c'est Air France, c'est un énorme problème. Quand c'est Renault et que ça va mal, vous votez quoi au conseil d'administration ? Alors moi, j'avais une stratégie, c'est-à-dire que je réunissais les administrateurs. Alors souvent, c'était des nouveaux fonctionnaires de la direction générale des entreprises. Alors, disons, voilà notre politique, voilà notre position. Donc vous votez contre ci, contre ça, parce que c'était cohérent. Mais les positions peuvent changer. Donc on ne peut pas avoir de position définitive. Mais il y a des conflits permanents à arbitrer d'intérêt. Mais c'est ça la beauté et l'art de la politique. Vous savez, c'est comme quand il y a l'autorité de la concurrence qui vient vous voir, qui vous dit « Ah, j'ai un rapport sur les garagistes et les pièces détachées de l'automobile au moment où Peugeot est en quasi-faillite, Renault a tout délocalisé. Et j'ai le président de l'autorité de la concurrence qui vient me voir en disant « Je suis une autorité administrative indépendante, je viens quand même vous voir, monsieur le ministre, parce que y a de l'abus sur les pièces détachées. » Je lui dis « Écoutez, vous défendez le consommateur, c'est dans la loi. Mais moi, je suis le ministre. Vous, vous appliquez des règles, mais moi, je fais des choix. Donc, votre rapport, vous savez ce qu'on va en faire ? Classement vertical, parce que je défends d'abord le producteur qui est en difficulté et pas le consommateur pour l'instant. Mais ça, c'est de ma responsabilité. » Il m'a dit « Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis une autorité indépendante. » Je lui ai dit « Écoutez, vous êtes tellement indépendant que j'ai supprimé votre budget, puisque c'est l'austérité budgétaire. » Ben comme ça, il y a eu le rapport au classement vertical. Voilà comment les autorités administratives indépendantes ne le sont plus. D'ailleurs, elles ne devraient pas l'être. Pour moi, elles devraient être dans le champ ministériel de l'arbitrage politique. L'arbitrage entre le consommateur et le producteur, il dépend des circonstances. Donc c'est l'arbitrage dividende, prix. Quand dans les télécoms, on crée un nouvel entrant qui a été Free, et on est obligé de gérer les plans sociaux, la défaisance, les délocalisations des sous-traitants, qui a fait beaucoup de dégâts, parce qu'il y a une concurrence par les prix, on sert le consommateur. Mais ça, c'est une autorité administrative qui le fait. Mais le ministre, il gère les conséquences. Donc non, pour moi, les autorités administratives indépendantes, dans tous ces secteurs économiques, doivent être supprimées. Et ça doit revenir à l'arbitrage ministériel sous le contrôle du Parlement. Écoutez, la Commission européenne, j'avais coutume de dire... En fait, ce sont des dogmatiques et des extrémistes sur la politique de la concurrence. C'est tout. Donc je vais vous dire, à cet dogmatisme, cet extrémisme, il faut opposer l'intérêt national de la France. La France n'est pas l'outil des expérimentations dogmatiques et idéologiques de la Commission européenne. Donc moi, je vais vous dire, les barrages, on les garde. Et puis c'est tout. Il n'y en aura pas. Vous me posez la question de l'AREN. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, supprimons l'AREN. Et quel est le problème ? Vous croyez que la Commission européenne, Mme von der Leyen, va envoyer des huissiers de justice ? Elle va envoyer l'armée ? Mais de quoi on parle ? C'est l'intérêt national. On en a assez de passer sous les fourches caudines des atteintes à notre intérêt. Je vous le dis avec componction et modération. Face aux excès, nous devons opposer la tranquillité de notre intérêt. Écoutez Raphaël Schellenberg. C'est le président de la Commission de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France. Et pose des questions à Nicolas Hulot, qui était à ce moment-là, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie. Et à côté de Nicolas Hulot, il y a Michel Papalardo, qui est membre de l'Académie des technologies aujourd'hui, mais qui était l'ancienne DIRCAB de Nicolas Hulot. Vous me suivez toujours. Et ils vont être interrogés l'un et l'autre sur, en 2018, le rapport d'Escata-Billon. Alors, ce rapport préconisait la construction de 6 nouveaux EPR à partir de 2025. C'est un rapport qui est commandé d'ailleurs par Nicolas Hulot et on lui met le rapport. Et vous allez voir cet extrait, c'est même honteux.
pour Nicolas Hulot, il se souvient de rien, ou il fait semblant de se souvenir de rien, et c'est sa DIRCAB qui va plaider pour lui, si j'ose dire. Mais ça montre son incompétence, ça montre sa lâcheté de vouloir répondre, ça montre son incohérence, et aujourd'hui, à cause de gens comme lui, on est en difficulté, et les boulangers ne peuvent pas avoir de l'énergie ou la paye 10 fois plus. C'est ça la vérité. Monsieur Hulot, il n'avait rien à faire à être ministre de l'écologie. Il n'avait pas les compétences. Alors écoutez cette séquence que je trouve sidérante, comme toutes les séquences d'ailleurs du dossier nucléaire à l'Assemblée nationale dans cette commission d'enquête. Il me semble que c'est sous votre ministère qu'est remis le rapport d'Escatabillon, qui ensuite est quasi immédiatement classé secret défense. Il comporte une partie sur le nucléaire civil, une partie sur le nucléaire défense. Il y a des raisons qui peuvent être objectives dans ce classement. On a demandé au niveau de la commission d'enquête d'en avoir communication pour les parties concernant le nucléaire civil. Est-ce que ce type de rapport, on peut néanmoins vous éclairer un petit peu. Il prévoyait, la presse s'en est fait écho en son temps, la construction d'au moins 6 EPR de nouvelle génération. Est-ce que c'est un rapport qui vous est bien parvenu dans l'aide à la décision ? Je pense que jamais n'a été acté, me semble-t-il, dans certaines sphères du pouvoir, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé aux 50%. Je pense que, quelque part, cette programmation était déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que ce rapport, moi, il ne m'est pas parvenu en l'état. Hein ? Si ? Alors, je voudrais dire la vérité, je ne veux pas me tromper. Michel ? Alors, d'abord, le rapport d'Escatabillon, on a été... on était là pour le lancement du rapport et on cherchait des réponses très précises, des questions très précises avec ce rapprochement civil-militaire qui était plutôt intéressant, qu'on ne fait pas habituellement. Et la réponse a été un plan de construction de centrales, etc. Ce n'était pas exactement les questions qu'on leur posait. Je suis surpris. Vous nous dites... donc on a commandé un rapport sur la filière... la réponse du rapport, c'est de dire pour préserver la filière, il faut construire. Et au NIT, ce n'est pas les réponses qu'on attendait. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un rapport ? C'était plutôt un problème, finalement, dans notre esprit, de ressources humaines, de gestion, de recrutement, de formation, etc. C'était ça, de notre côté, on attendait plutôt que... A priori, un rapport sur il faut construire X ou Y centrale ou autre chose de ce type-là, qui étaient des travaux sur lesquels il y avait beaucoup de travaux en cours. Vous vous rendez compte de cette séquence ? Le ministre ne répond même pas et dit qu'il n'a pas vu le rapport qu'on lui a mis sur son bureau. Et c'est la DIRCAB qui dit oui, le rapport a existé. Enfin, ça ne vous choque pas ? Ça choque que moi ? J'ai rien compris. Ah bon. C'est clair, le ministre écolo, alors numéro 2 du gouvernement, il n'a pas souvenir d'un rapport qui le concernait au premier chef et dont finalement la suite ordonnée par le gouvernement a été l'arrêt, l'interruption du programme nucléaire. Mais en fait, la question de M. Hulot qui manifestement ne se souvient de rien. Ce qui est très possible d'ailleurs. Bon. Qui l'avait nommé Amène à poser la seule question qui vaille. Comment et pourquoi a-t-on pu nommer un type incompétent à ce poste-là ? Comment ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'il apportait des voix pour faire plaisir aux écolos. Absolument. Et donc 10 ans de retard dans le programme nucléaire. Et le député s'appelle Raphaël Schellenberger, exactement, qui est donc le président de cette commission. Bon, on en a parlé hier, on ne va pas faire une polémique. D'autant que moi j'ai envie de parler d'un peu de Michel. Ce soir, je veux vous parler... de deux affaires judiciaires qui m'ont totalement révolté. Je lisais dans Le Parisien une affaire monstrueuse d'une jeune fille de 21 ans qui a été séquestrée, qui a pu s'échapper, qui a été rattrapée par sa famille, qui a été frappée à coups de chausse-pied, à coups de fil téléphonique, qui a été tondu,
qui a été menacé de mort, Ses frères, en raison de relations intimes qu'elle aurait eues et qui auraient été dévoilées par une vidéo, bref. Une jeune fille qui a été brisée et qui a été sauvée par l'intervention de voisins. Eh bien, la réaction de la présidente du tribunal, je cite Le Parisien, qui s'adresse aux frères, elle, je cite, « Votre réaction a été disproportionnée et humiliante. » Une présidente de tribunal qui ose dire cela. « Votre réaction a été disproportionnée et humiliante. » Cela veut dire que la justice accepte que des frères aient droit de vie ou de mort sur des jeunes filles dans notre pays. C'était dans les Yvelines, je crois, à Sartrouville. Voilà la réalité du pays. Et ces deux frères ont écopé de 2 ans et demi de prison, mais en vérité, ils ne font même pas 6 mois. Alors, quand dans un pays, on accepte qu'on puisse séquestrer, battre, tondre, menacer de mort et menacer de lui couper les doigts une jeune fille, et si les voisins n'étaient pas intervenus, elle serait peut-être déjà morte, et que la présidente du tribunal vous dit « Votre réaction est disproportionnée », ça veut dire qu'en fait, ils avaient raison de s'indigner du comportement de leur sœur, et qu'ils ne feront même pas 6 mois de prison. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que l'insécurité explose, qu'il y ait des féminicides, que les femmes soient bafouées. Le laxisme judiciaire à l'égard des femmes victimes de violences est abominable. Mais il y a pire. Il y a une autre décision de justice qui m'a révolté et qui montre la folie de certains juges et l'absence de vraie politique pénale au nom du peuple français. C'est une affaire encore pire d'agression sexuelle sur 2 fillettes de 6 ans et 8 ans par un suppléant d'une ex-députée En Marche, mais qu'importe la couleur politique. Et là, détention de 4000 images pédopornographiques. 4000 images pédopornographiques, agression sexuelle sur enfants de 6 ans et 8 ans et condamnation à 1 an ferme seulement. 3 ans, dont 2 avec sursis. Mais dans quel pays vivons-nous? Comment accepter cela? Et 5 ans d'inéligibilité seulement. Comment accepter cette faiblesse judiciaire française? Comment imaginer cela? Et ces deux exemples ont été relatés par la presse. Mais tous les jours, dans nos tribunaux, des femmes victimes de violences sont bafouées par une justice qui n'est plus rendue au nom du peuple. Le laxisme judiciaire français est une calamité nationale qui explique l'explosion de la délinquance et des faits de délinquance. Dernier exemple, et je suis désolé de donner ces exemples concrets, mais ça montre bien la douleur des Français face à l'abandon du système judiciaire, 2 religieuses qui habitaient Nantes ont été contraintes de déménager, ont quitté la ville de Nantes face à l'insécurité, menaces, crachats, menaces de leurs églises, tout simplement parce que ce sont des religieuses, et qu'à Nantes, l'état de délabrement de la police, de la justice, de la mairie, font que ces 2 religieuses ont dû déménager. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples qui montre à quel point notre pays déraille complètement. Alors, on peut rétablir l'ordre. La plupart des pays du monde ont une justice qui fonctionne. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, plus proche de nous. Et je ne parle même pas des États-Unis, de la Chine, du Japon, d'Israël, de l'Algérie, du Maroc, de tous les pays du monde. Mais la France est le pays où la victime est coupable et où le coupable est toujours excusé. Alors, on peut faire les choses, il faut une réforme pénale, de la chaîne pénale. Je vous renvoie au projet de l'élection présidentielle de 2022. Nous avions le meilleur projet de rétablissement de l'ordre, de contrôle de l'immigration, de défense tout simplement de la République et du droit des victimes. Alors je vous recommande aujourd'hui, ce mois-ci, encore une fois, des articles dans Le Monde diplomatique que j'ai vraiment aimé. Ce journal, c'est se mettre en retrait de l'actualité, chose que notre presse ne fait plus. Enfin, des journaux libres, Le Monde diplomatique.
Et puis, évidemment, Omerta. Alors, Omerta, le titre est éloquent. Ukraine, la vérité qui dérange. Omerta, un superbe bouquin. Vraiment. Des photos superbes. Des interviews de Jacques Beau, etc., etc. Très, très intéressant. Vraiment très, très intéressant. Et une chronique d'une guerre américaine. Très intéressant aussi. Donc, je vous recommande Omerta, la vérité qui dérange. Alors, comme film, j'ai vu le film de Spielberg. Le film de Spielberg, de Steven Spielberg, qui retrace sa passion pour le cinéma et d'où vient sa passion pour le cinéma. C'est un très beau film, un très joli film. Très joli. Et puis donc, je vous avais promis de vous emmener à Nice. Voici quelques moments choisis, tournés avec mon téléphone, de cette fête à Nice qu'on appelle festival.
À très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous. Au revoir.